Bon, salut à tous, on se retrouve pour une pêche en gravière de mon département. On est fin d'été, l'eau est encore assez chaude, il y a beaucoup de pêcheurs. En arrivant, j'ai carrément dû faire tout le tour du plan d'eau pour trouver un poste. Du coup, c'est un poste que j'ai jamais pêché jusqu'à là. J'ai dû bien sonder en arrivant, bon ça c'est la base. Il y a eu un peu d'activité, quelques sauts de carpe. Le temps est assez changeant, on a eu de la pluie ce matin pour s'installer. Il y a un peu de vent, c'est des éléments qui me plaisent pour pêcher. On a mis la pêche en place tranquillement ce midi. J'ai rapidement enregistré un premier départ. J'étais en train d'amorcer la troisième canne. Départ pendant que j'étais en train de se bomber, en fait. Et malheureusement, la prise de contact, le poisson, il s'est décroché. Bon, c'est le jeu. Donc, ça met plutôt en confiance, au moins des sauts, un petit départ en arrivant. Là, ça pêche depuis à peine quelques minutes. Niveau pêche, niveau placement des lignes, on a un fond assez monotone. On a plutôt un substrat mou avec pas mal de petits résidus de feuilles mortes ou de petits branchages. Donc j'ai pêché un peu tout, un peu la vase. Il y avait des zones un peu moins molles, un peu plus dures, même si ce n'est pas vraiment du caillou ou un substrat vraiment dur, mais c'est un peu plus propre. Et après, je pêche plus les bordures, donc ma bordure et une bordure en face, celle qui a fait le départ. Et c'est plus sur ces spots-là dans lesquels j'ai confiance, c'est plus joli. Bon après, c'est le hasard de la pêche, on verra ce qui va se passer, mais... Mais en tout cas, ça fait plaisir d'être là sur cette pêche en gravière. Niveau montage, je suis resté comme à mon habitude, très simple. C'est des montages très gainés. Il y a des présentations noix tigrée, bouillette, bonhomme de neige. Donc voilà, on verra. J'ai essayé un peu tout, parce que c'est pas un plan d'eau que j'ai l'habitude de pêcher. Je viens même pas une fois par an. Niveau hameçon, je suis parti sur les Armorock, le modèle Snack est très résistant. Je pêche régulièrement cette année avec. Des bons résultats, des bonnes piqûres la plupart du temps, et surtout ça s'ouvre pas, c'est ce que je vais leur demander. Niveau bas de ligne, c'est la tresse quenée, la captive en 35 livres, et corps de ligne, comme le plus souvent, je suis en tresse. Donc on va voir quelle présentation va avoir le plus de touches, on verra quel substrat aussi, si c'est plus la vase, plus les bordures, on verra, ça va être la surprise. Je suis plutôt confiant et... J'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble et ça va vous plaire. Bon, la première, ça fait plaisir. Jolie petite commune combative. Bon, ça met en confiance déjà. Il y a un poisson. Ça annonce du bon pour la nuit.
poissons cette nouvelle journée. La nuit, ça a été assez calme. Première partie de nuit, il y a eu quand même pas mal de sauts. J'ai vite fait un silure. Ensuite, j'ai enchaîné avec ma canne de bordure qui a déroulé. C'était la seule qui n'avait pas produit de départ encore. Et ça fait une commune du même calibre un peu de tout ce qu'on a enchaîné jusqu'à là. Et seconde partie de nuit, très calme, plus aucun saut. Ce matin, pareil, plus du tout de vent. Juste un peu de brème, mais c'était dans l'ensemble assez calme. J'ai tout replacé ce matin, j'ai bien ramorcé pour essayer de recréer un peu d'activité. Et voilà, premier poisson de cette nouvelle journée. Commune bien énervée encore, gros combat, ça fait plaisir. C'est là-bas en pleine eau. Mais l'activité qui revient quand même. Et voilà, une de plus. L'activité, elle a bien repris. On a enchaîné deux poissons rapidement, une brème en plus. Ça s'est remis à sauter, donc c'est bon signe pour la suite, c'est cool. Encore une commune, là, bien combative. Voir s'il n'y a pas moyen de toucher le miroir. Ils doivent vraiment tout faire ces caméramans. Et ben voilà, un beau doublé, une là. Super. Bon ben voilà, un joli petit doublé. Ouais, ça s'enchaîne bien, comme hier, le pic d'activité en plein après-midi. Là, doublé, un petit doublé sympa, c'est cool, ça fait plaisir. Je vais pas dire, mais la mienne est plus grosse. C'est pas très gentil. Et ben voilà. Elles sont pas contentes. On est content par contre. Elles sont énergiques, hein, c'est clair. Elles sont énergiques. Voilà, première carpe pour moi. Bah ouais, il me fait une révélation, sa première. Bah ouais. Première, plus de 5 kilos. Super, je suis content. Content d'être venu. Ouais, c'est cool. Parce que vu le nombre t'as envie du poisson. Hein. Ouais, top. Bon, la vidéo sera belle, je pense. Ouais, là. Oh. Allez, on va les relâcher. Allez, l'ont bien mérité. Et voilà. Super. Chapeau. Merci, mec. Bon, cette seconde journée touche à sa fin. Ça a été une belle journée, bien rythmée en touche. On ne s'est pas ennuyé.
Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai plus axé ma pêche sur deux cannes, en pleine eau, à moyenne distance. Et c'est vraiment le fait de spawner régulièrement, de faire des rappels qui a bien conditionné les poissons. On l'a vu souvent, dès qu'on ramorçait, ça déroulait tout de suite derrière. Donc j'ai beaucoup spawné tout ce qui est graines, un peu de pelet, un peu de bouillie de broyer aussi. Donc avec des rappels assez souvent, toutes les demi-heures à peu près. Donc souvent j'avais même les touches avant, donc soit je relançais direct la canne et je ramorçais derrière. Du coup j'ai un peu changé l'approche aussi, j'ai plus mis des grosses bouillettes, j'ai plus des grosses sèches, voir si ça peut changer un peu, même si j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Donc au total, en tout, on a une bonne grosse dizaine de touches, un petit silure, donc ouais, ça fait des journées rythmées, c'est cool. Donc aujourd'hui, il y a toujours autant de monde, il y a encore d'autres équipes qui sont installées. Hier, quand on est arrivé, il y en a qui partaient, aujourd'hui, ça a tout de suite repris le relais. Ça a l'air plus calme sur cette partie du lac, on a vu plus des sauts de notre côté, on les a pas trop vus en activité, faire du poisson, tout ça. En fait, ça saute plus de notre secteur, donc c'est pour ça que j'ai plus orienté deux cannes à pêcher, à pas mettre trop de pression de pêche. Et juste une canne isolée, que elle, en fait, je faisais pas des rappels réguliers, juste... quelques billes dessus, voir si pareil ça pouvait faire un poisson un peu isolé, mais elle a fait beaucoup moins de touches quoi. Du coup, sans les rappels, on voit direct la différence. Donc c'était cool. Là, on est fin de journée, j'ai amorcé moi en fait, j'ai plus jeté un peu de bouillette au cobra, voir si on pouvait faire des poissons un peu différents, parce que là, on a vraiment enchaîné que de la commune. Donc c'est plaisant, mais on va voir si on peut faire un poisson qui sort un peu du lot. Donc voilà, c'est la dernière nuit, c'était cool, et on espère qu'on va encore vous présenter du poisson. La session touche à sa fin. Cette dernière nuit a été un peu plus calme, quelques touches quand même. Rien de toujours très gros, mais ça fait plaisir. Et même scénario qu'hier, fin de nuit très calme, plus un départ, matin pareil, c'est plus un saut, plus rien. Donc j'ai tout ramorcé, on va voir si ça va se redéclencher. Donc l'approche utilisée a été prolifique, on va dire, pas mal de touches. On l'a vu, les rappels, ça a bien conditionné les poissons. Donc on n'aura pas fait de très gros poissons, mais c'est pas ça l'important, j'ai pas honte de le dire, on n'en fait pas à chaque fois des gros poissons. Donc c'était bien d'enchaîner les touches, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de pêcher sur des lacs où on arrive quand même à enchaîner un peu, donc ça me permet de découvrir des sensations un peu différentes. Donc d'autant plus qu'on tourne cette vidéo dans un contexte assez particulier, parce que dans ma région on a eu des très gros incendies, donc on n'a pas eu accès à certains lacs, bon ce qui est normal. Donc on s'est un peu rabattu vraiment au dernier moment, je ne sais même pas encore vraiment où tourner la vidéo, donc on s'est un peu rabattu ici. Il y a eu, heureusement, on a encore eu une place le jour où on est arrivé, mais voilà. Donc c'était pour moi la première fois devant les caméras, c'était intéressant à faire, c'était sympa, j'ai pris du plaisir. J'espère que vous en aurez pris aussi à regarder cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, il y a encore beaucoup de vidéos qui vont arriver, et on vous dit à très vite au bord de l'eau et au plaisir.